Salut à tous, c'est Esprog, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc je vais vous présenter un peu le gameplay avant de commencer le sujet principal. Donc le gameplay c'est une R&D complètement foirée de ma part dans la map D3. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder le gameplay. Voilà, donc ensuite on va tout de suite commencer avec le sujet. Donc les Desert Squad sont de retour malheureusement pour le PSN et l'Xbox Live. Voilà, donc on en a subi les conséquences hier, donc le 15 mai, on en a subi les conséquences le soir. Il était 23h, minuit et demi, 1h presque, un truc comme ça je crois, ouais. Il était 1h du matin, moi je l'ai vu en direct, hein, je pouvais plus me connecter. Et donc plusieurs personnes aussi ne pouvaient pas se connecter au PSN. Par contre à l'Xbox Live ils pouvaient, hein, ils ont pas de DOS l'Xbox Live. Voilà, donc après je vais vous mettre voilà, donc là ça va s'afficher un screen des Lizard Squad qu'ils ont tweeté sur Twitter. Voilà, donc le serveur PlayStation Network offline. Voilà, donc ça recommence. Je sais pas pourquoi ils font ça, on a toujours aucune raison. Si ils en avaient donné une, mais bon. Donc ça prouve que Sony n'a toujours pas sécurisé ses serveurs. C'est vraiment inadmissible de leur part parce que vous achetez une console, vous ne pouvez pas y jouer. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Vous achetez un truc, vous pouvez même pas vous en servir. Je vois pas à quoi ça sert. Moi je pense qu'avant tout ils devraient sécuriser leurs serveurs. Ça fait quand même 4-5 fois que ça leur arrive. Et toujours rien de leur part. Voilà, donc pour l'instant bah, on va attendre, hein. Il y a plusieurs maintenances. J'espère qu'ils vont vraiment penser à sécuriser leur serveur. Parce que là ça commence vraiment à bien faire. Voilà, vous jouez en pleine partie, vous êtes déconnecté à cause d'eux, enfin bref, plusieurs trucs comme ça. Moi ça commence vraiment à m'énerver. Voilà. Donc j'essaierai de vous en dire un peu plus quand on aura plus de nouvelles sur les Lizard Squad. Pour l'instant on a juste ce tweet et un autre aussi qui disent que le FBI n'a toujours aucune accusation envers eux. Donc voilà, donc personne n'a été arrêté. C'est vraiment des gros fakes. Les Lizard Squad n'ont jamais été arrêtés. Ils sont introuvables. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis bon game. Si vous arrivez à vous connecter, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.